magasin de grands suiveurs à grains construit le long du port, à la ville de Québec. Ils en ont gardé beaucoup plus d'ici. Ici, il n'en reste qu'un. On termine de voir tout à l'heure. Ils ont détruit les silos lors de l'ouverture de la voie navigable du Saint-Laurent en 1961, qui était le plus grand chantier au monde à l'époque.